Découvrez Vidéo Bomb News, votre source des actualités captivantes sur YouTube. Abonnez-vous et aimez nos vidéos pour rester informé et soutenir notre chaîne. Rejoignez-nous dès maintenant. Merci. Il y a certainement eu une augmentation des naissances dans l'eau, vous savez, ces dernières années. Nous sommes le seul hôpital de Leeds qui offre ce service et beaucoup de femmes, vous savez, veulent un naissance dans l'eau. L'eau est une très bonne méthode naturelle de soulagement de la douleur. C'est un peu plus de laisser aller. Et je pense que les femmes ont tendance à se lancer dans eux-mêmes plus quand ils sont dans l'eau parce que, vous savez, les lumières sont faibles, tu sais, elles ont souvent j'ai de la musique. Les maris sont généralement très solidaires et beaucoup de femmes s'en sortent vraiment très bien dans l'eau. Tu sais, beaucoup de gens avoir leur premier bébé géré juste avec de l'eau et sans autre analgésique du tout. C'est fantastique. Bon. Gardez continue. Bien fait. J'aime beaucoup les jets d'eau. Ils sont un peu comme ils sont plutôt inconfortables à faire si vous l'êtes. Bien, probablement pour la femme aussi, je le ferai imaginer. Je dirais pire pour la femme. C'est assez gentil parce qu'il faut le faire. Je fais en quelque sorte beaucoup de choses comme me pencher fini, j'aime essayer d'entrer, de m'approcher le plus possible à l'eau autant que vous le pouvez sans réellement entrer dans l'eau. Et donc je trouve que je souffre pour eux après. Mais je pense juste qu'ils sont vraiment sympas quand le bébé arrive dehors et il fait son petit genre de mini-nager sous l'eau, comme un peu le monde de demain bébé. C'est toujours bon ce qu'ils préfèrent quand ils font le petite baignade et puis la maman en quelque sorte il les ramasse hors de l'eau.